mois de mars à Rebirth Christian Center, nous terminons notre série sur les clés du mariage afin de donner le maximum de conseils sur comment préserver son mariage et faire en sorte que celui-ci marche pour le mieux. À Rebirth Christian Center, nous avons aussi des valeurs à partager. C'est pourquoi un programme de soutien de ces valeurs se mettra en place ce mois-ci, programme qui a pour nom I Love My Church. Ce sera l'occasion pour les membres de l'Église de montrer leur investissement ainsi qu'encourager la mission de l'Église qui est de servir Jésus-Christ et sauver des âmes. Qui dit servir Dieu dit aussi le louer. Pour cette raison, l'Église dispose d'un groupe de louanges appelé en anglais Praise Team. Ce groupe possède également un sous-groupe de prière en ligne qui se réunit le lundi et le jeudi. La prière ne se fait pas qu'au téléphone à Rebirth Christian Center, puisque plusieurs frères et sœurs en Christ se réunissent également le mercredi de 19h à 21h. Notre église sait aussi accueillir ses nouveaux membres comme il se doit. En effet, l'église organise chaque mardi à partir de 19h et samedi de 11h à 14h des classes de croissance afin de mieux comprendre le fonctionnement de Rebirth Christian Center. Rebirth accorde une grande importance aux échanges entre chrétiens ainsi qu'à la communion spirituelle de ses membres. Au mois de mars, les groupes de soutien appelés communément Small Group ouvriront une fois de plus leurs portes à ceux qui souhaitent bénéficier des avantages qu'apporte un groupe de partage. Toujours dans le cadre du partage, l'Église tient à vivre avec ses membres ses 40 jours de jeûne pour la résurrection. Une occasion pour chaque chrétien d'être un modèle pour les croyants, que ce soit en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Mars est également le mois de l'évangélisation à Rebirth Christian Center. Évangélisation qui permet chaque année de sauver des millions et des milliers de personnes et de leur permettre de trouver leur voie en commençant une relation avec Dieu. Un séminaire sur l'évangélisation prendra donc place au sein de notre église, suivi de plusieurs heures de pratique afin de comprendre de manière plus approfondie le pourquoi et le comment de l'évangélisation. Ce mois-ci, nous recevons un membre du service média, c'est-à-dire moi-même, pour vous présenter dans quel domaine je mets mes talents au service de l'église. Bonjour, je suis Margaret du service Média à Rebirth Christian Center. Le service Média sert à développer l'image de l'Église, sert aussi à la faire connaître aux yeux de tout le monde, quel que soit le pays ou la destination dans laquelle on est, mais également de partager son idéologie. En tant que chrétien, nous nous devons également de partager la parole de Dieu à travers des annonces, mais aussi des vidéos. Mais avant tout, le service Média est un moyen comme un autre de servir Dieu. Aujourd'hui, le service média a besoin de jeunes talents, de personnes qui sont motivées, curieuses, très ambitieuses et qui ont besoin de comprendre et d'apprendre tout ce qui est du domaine de la production et des médias. C'est aussi un service qui est fait pour les personnes qui sont en quête de nouveaux challenges. C'est un travail d'équipe. Si vous êtes très intéressé par la communication, que vous souhaitez apprendre comment communiquer de manière verbale, de manière effective, que vous souhaitez apprendre comment faire un montage vidéo, comment faire une annonce, comment filmer, comment communiquer avec un invité quand on doit interviewer une personne, le service média est définitivement un service qui est fait pour vous. C'est un service qui va aussi mettre en avant vos talents créatifs. Pour faire une publicité ou une annonce, par exemple pour l'église, vous devez faire appel à votre imagination, à votre connaissance de l'église. Ce sont des éléments qui sont très importants pour contribuer à l'élévation et à l'image de l'église. C'est donc ce que nous faisons tous les jours au service média de Rebirth Christian Center. Nous vous y attendons, les bras ouverts. N'hésitez pas à me faire signe si vous êtes intéressé par une quelconque position, que ce soit en production, que ce soit en réalisation. Je serai très heureuse de pouvoir vous aider pour un éventuel travail en équipe. J'espère vous voir très bientôt.